là on est parti en voyage avec, avec Sylvain et Marc. On est tous trois pêcheurs de brochets à la mouche depuis plusieurs années. Et on recherchait une destination où on pouvait trouver des très gros spécimens. Et c'est ce qui nous a amené ici dans ce territoire qui est superbe, à l'ouest de l'Allemagne sur l'île de Rügen, où on est venu chercher les brochets pélagiques. Donc ces poissons qui passent tout l'été en mer à se nourrir de harengs ont tendance à revenir pendant l'hiver dans ces lagunes-là qui nous entourent. Et on tombe sur des spécimens qui sont vraiment, vraiment très gros. On peut atteindre des poissons d'un mètre, 1m10, 1m15. Et les records de la région vont jusqu'à 1m30, voire 1m40. Pour les pêcheurs à la mouche que nous sommes, c'est vraiment un petit paradis sur Terre. Et on a hâte de pouvoir mettre les canoës à l'eau pour pouvoir aller un peu les taquiner dans leur élément, ces gros poissons. On va avoir chaud. Ouais, c'est d'avoir chaud. Là, il fait très chaud. On pensait cailler, on a mis les couches et tout, mais là... On va voir si ça fait réagir le poisson, quoi. Ça fait une dizaine de jours qu'ils sont ici. La température, c'était 10, 12 degrés, beaucoup de vent. Le vent à 30, 35. Là, on est sur des vents à 20, 24 et on a 19 degrés de prévu aujourd'hui. Donc là, à l'abri du vent, il fait vraiment chaud. Il faut qu'on trouve un peu ce qu'est les coloris, les hauteurs d'eau qui vont fonctionner. C'est bien si tout le monde pêche avec des trucs différents au début. On a des soies plongeantes, flottantes. C'est pas des endroits où il y a énormément de fond. C'est pas mieux.